Voilà, tu vas enlever le pot de banque, ça va être tourné, ça va être génial. Donc tu prennes le quand tu vas tourner, tu vas faire ça. D'accord. Bon ben voilà, raconte-nous ta petite aventure, là, t'es venu pourquoi toi ici? Moi je suis boulanger pizzaiolo de métier et je voulais apprendre à faire la crêpe. Ouais. J'ai un projet plus tard avec mon ami d'ouvrir une crêperie. Et en attendant, bah, j'aimerais bien trouver un boulot en tant que saisonnier en Bretagne. Ou... Ouais. Mais quand tu dis en Bretagne, plutôt vers où? Parce que c'est grand la Bretagne, mine de rien. Morbihan. Morbihan. Ouais, Morbihan. Donc secteur Vannes, c'est né, tu sais pas? Vers Vannes, Carnac, Crac. Ah. Ok. Saint-Goustan. Tu habites par là-bas, toi, déjà? Oui, je vais habiter à Carnac. Donc c'est pratique, donc on est sur l'hébergement. Bon, nous, là, on est à Saint-Nazaire. Vous avez passé 3 jours de formation. Formidable. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous faites à vous bronzer, là? Ah, il y a une petite coupure, là. Ça fait... Non, mais nous, on est... On a tellement tourné, on a tout carrément. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis, ouais. Bah, on est parfaite, quoi. Il y a les deux. Ouais. Ils sont encore en train d'essayer, quoi. Ouais. Ils font des trous, tout ça. Ils sont comme au premier jour, quoi. Ils creusent. Bon, ben, les filles, c'était bien de vous avoir. Super. À très bientôt. Et là, on est à Saint-Nazaire. Et quand les gens disent que Saint-Nazaire... C'est beau. Eh ben, c'est beau. Regardez, c'est beau. On fait un petit tour de mer. Regardez, ça vous apprendra. Voilà, c'est là que vous pouvez venir. C'est... Bon, alors, mesdames, oh, arrêtez de se bronzer. On perd ses moyens. C'est horrible. Non, efface ça, arrête. Non, mais ça, j'apprendrai pas. Ça, mon Dieu. Mais, mon Dieu. Non, ben, c'est bien. On va retourner dans ses activités. Bon, la première, oui, c'est Régine. Non, c'est pas Régine. C'est Nathalie. Bon, Nathalie, projet. Oui, c'est projet. Moi. Oui, projet. Crêperie nomade. Crêperie nomade sur Bordeaux. Ouais. Avec plein de petites spécialités. Qui sortent un petit peu de l'ordinaire sur des bons produits. Et puis. De l'emporter. Oui, à emporter. Nomade, ambulante, voilà. Ok. Voilà. Et à horizon de Été 2018. Été 2018, d'accord. Oui. Et puis après, eh bien, nous avons Justine alias DJ Lamoroso. Alors Justine, projet ou découverte ou, Découverte, projet un peu dans la tête, mais ouais. surtout partage, moi. Ouais. Ouais, c'est-à-dire pour faire des rencontres. Ouais, où le vent nous mène. Tu veux te servir de la crêpe pour faire des rencontres? Non, mais on peut aller dans plein de pays. Ouais, pourquoi pas, chez nous on a l'apéro, mais pourquoi pas se retrouver autour d'une table, inviter, voilà. Ouais, même des gens que tu ne connais pas. Et... Voilà, faire des belles rencontres. Ouais, d'accord, voilà. C'était génial. Donc cette formation, elle a été partagée, il y a deux hommes, deux femmes. On en connaît un jeune homme qui veut devenir saisonnier. Puis il y en a un autre qui se cache derrière moi, qui est prêt à me foutre un coup de poing. Et on ne le verra pas parce que c'est un acteur connu. Un acteur de sa vie, c'est déjà bien comme nous autres. Voilà, merci en tout cas d'être venu. Merci à toi. Bye bye. Ciao, ciao. Bye, salut à toi. Et salut pas toi. Donc voilà, en tant que boulanger pizzaiolo, c'est quoi la spécificité de la crêpe de la galette? Qu'est-ce que tu as vu? C'est intéressant au niveau de la pâte et je trouve que c'est plus difficile par expérience de travailler la galette que la pizza. Ah parce ouais. que beaucoup de gens pensent le contraire. Et c'est parce que je suis un bon formateur. Donc, alors, pour revenir pour la saison, c'est à partir de cette année. C'est à partir de cette année, oui, c'est pour cet été. Là, on est en février. Bah, ça serait pour, ouais, pour maintenant, pour au plus tôt. Bah, moi, je vais diffuser ça là, sur auprès de tous mes abonnés. Il y a pas mal de crêperies installées, même parmi peut-être mes anciens compagnons. Ah, bah, ce serait super. Sur le Morbihan, je ne sais pas, mais de toute façon, on va diffuser, on reviendra. Bon ouais, super, merci beaucoup Patrick. Et donc tu recherches toujours combien? Un salaire de 5000 euros net par mois? Ah, j'en demande pas de temps. L'hébergement, une Porsche? Non, l'hébergement j'ai déjà, la Porsche j'ai déjà aussi, je rigole. Ouais, non, on verra vous à 40. Juste du boulot, ça sera déjà bien. Ouais. Donc si on en revient sur le fait de tourner en 10 secondes et on va s'arrêter, c'est
qui fait une grande différence entre le froment et le sarrasin, les deux techniques Je trouve que le sarrasin est plus facile que le froment à tourner. Ah ouais. Ouais. Pas une but d'esprit, ça. Non, non, c'est vraiment, j'ai plus de mal avec le froment que le sarrasin. Non, mais je t'entends, hein. Comme moi, je suis pas persuadé que la pizza, ce soit plus simple. Ouais. Ouais, merci. Merci de ton passage par ici. Mais de rien, merci à toi, Patrick. Bye. Bye. Rappelle ton âge ? 24 ans. Non, on s'en fout, on est. Merci.